L'œil droit. Mais, monsieur le facteur, ce que ma soeur vous demande, ça risque pas de créer tout un drame. Allez, soyez brave, facteur. Dites-le-moi. Revêtu de cet uniforme, je suis l'esclave du devoir. Esclave. Mais peut-être qu'avec un peu d'intelligence, nous pourrions nous arranger. Fermez la fenêtre. Attention, regardez-moi bien et posez votre question. Est-ce que Fanny reçoit des lettres de Marius? Attention au mouvement. Hein, vous êtes sûr qu'elle ne reçoit pas? Attention, regardez-moi bien. Vous êtes sûr qu'elle n'en a jamais reçu? Regardez-moi bien. Mais si jamais l'un reçoit, vous me préviendrez. Mais non, je n'ai pas le droit, je ne vous préviendrai pas. Allez, vous n'êtes pas gentil. Tant pis, moi, je ne tiens pas à être gentil. Seulement, elle a le même nom que vous. Et alors, il pourrait arriver par hasard que je me trompe. Mais ça ne serait pas de ma faute, hein. Mais ça serait parfait. Ah, ça serait parfait si ça arrivait. Alors, au revoir, Honorine, et excusez-moi. Et pourquoi? De ne pas avoir pu vous donner des renseignements. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le secret professionnel. Elle va lui passer, elle va l'oublier. Elle va l'oublier ou bien elle va mourir de mauvais sang. Tu crois? Mais alors, ce serait comme au cinéma, une passion. Ce serait terrible. Mais ce serait quand même beau. Tu crois qu'elle est belle, ma situation? Je ne mange plus, je ne dors plus, je n'ose même pas regarder mes amis. Bah, n'exagérons pas, Norine. Et je me pensais dans ma petite tête, elle va l'oublier. Et à la fin des fins, elle épousera un maître panisse. Et bien, quand je pensais ça, j'étais aussi bête que toi. Parce que maintenant, c'est maître panisse qui ne voudra plus. Et pourquoi? Tu crois que c'est rassurant pour un homme de 50 ans d'épouser une jeune fille qui se meurt d'amour en public pour un autre? Et je te l'ai dit? Mais non, il ne me l'a pas dit. Hé, voici un monsieur avec un chapeau gibus. Là. C'est maître panisse. Il vient pour la petite. Oh, cher. Je suis toute bouleversée à l'idée qu'il refuse cette petite. Non, ne t'inquiète pas, Marie, ne t'inquiète pas. La pauvre coucourde que je suis va le faire changer d'avis. Oh, ma belle Claudine, mais qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Allez, prépare-toi et fais-lui ton numéro. Annabelle Rieux, Nicole Ballot et Guy Olivier, le tombeur de ces dames. Il est beau en facteur, hein?